Micro-bocaille. Saoudi. Mais c'est ça qui est la vie, ça fait. Que serait notre vie sans le rire? Chansonniers, chroniqueurs, humoristes, imitateurs nous font rire ou pas. Il y en a qu'on aime bien, d'autres qu'on ne supporte pas. On rit de certains sujets, mais pas forcément de tout. Et c'est le maximum dans la rapidité du plus pressé. Mais là, je veux pas le verre. Je n'ai pas la compétence. Que pensez-vous des humoristes qui se moquent des hommes politiques? Telle est la question dans Saoudi. Que pensez-vous des humoristes qui se moquent des hommes politiques, s'il vous plaît? Ils font leur boulot. Ils font leur boulot, c'est marrant. À partir du moment où ils ne dépassent pas les bornes, il n'y a pas de problème. Pour vous, qu'est-ce que ce serait dépasser les bornes? Entrer dans la vie privée des gens et dire un peu n'importe quoi. Si ce n'est pas politique, c'est quoi? Non, j'essaye de comprendre. Pourquoi renvoyer un humoriste qui rassemble 2 millions d'auditeurs? Qu'est-ce que vous pensez des humoristes qui se moquent des hommes politiques? Très bien. Vous ne trouvez pas que des fois, ils vont trop loin? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont... ils relèvent un petit peu toutes les anecdotes qu'il y a. Ça peut être un homme politique ou autre, hein. Et puis, ou autre, se mettre ça de manière un peu comique. C'est très bien. Ça amuse tout le monde, oui, c'est bon. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage au formidable personnel hospitalier. Qu'est-ce que vous pensez des humoristes qui se moquent des hommes politiques? C'est bien. C'est très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas que des fois, ils franchissent des limites? Pas du tout, non. C'est très bien, moi, ça me plaît bien. Quels sont vos humoristes préférés? Est-ce que vous avez des noms en tête? Ah, j'aimais bien Coluche. Il est vraiment inimitable. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, il n'y a plus grand monde maintenant. Qu'est-ce qu'il y aurait maintenant? Ils sont quand même nombreux, il y en a pas mal quand même. Nouveaux. Les nouveaux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous parlez d'ici ou d'une manière générale? Partout. Ah, il est pas mal, machin, comment ça s'appelle, celui qui fait spectacle là. Bientôt, là, il a fait un spectacle dernièrement avec les Bakoum, je sais pas quoi là. Ok. Il fait de la publicité aussi, j'aime bien. Ouais, oui, mais bon, ça se ressemble un peu plus ou moins, donc c'est toujours pareil. Il n'y a pas vraiment des gens qui se détachent, quoi, les gens qui font vraiment rigoler. C'est moyen, même. Il y en avait des bons avant, maintenant, il y en a de moins en moins. Ça ne vous fait pas de la peine pour les hommes politiques? Ah bah du tout, non, c'est bien, de toute façon il faut taper dessus un petit peu, ouais. Si ça pouvait les faire réagir, ça serait bien, et d'aller dans le bon sens, ça serait bien. Eh, en politique, on est les plus balèzes en politique, surtout en politique française, hein. On est parmi les plus balèzes du monde. Qu'est-ce que vous pensez des humoristes qui se moquent des hommes politiques? Ah, j'ai pas d'opinion dessus, non. Est-ce que vous pensez qu'ils vont trop loin ou est-ce qu'ils sont corrects dans ce qu'ils présentent en général? Ils sont corrects, hein, ils sont très corrects, non? Ça ne vous fait pas de peine pour les hommes politiques? Pardon? Ça ne vous peine pas pour les hommes politiques? Et je n'ai pas très bien compris. Est-ce que ça ne vous peine pas non, pour pas les hommes politiques? Non, pas du tout, non. D'accord. Ça fait partie de la vie. Ne vous inquiétez pas, c'était un ordinateur jetable. Mais ça n'existe pas. Si. Je viens de l'inventer. Micro-bocaille. Saoudi. Que pensez-vous des humoristes qui se moquent des hommes politiques? Ben, en fait, ça ne me pose pas de problème en particulier, sauf s'il y a de l'acharnement. Parce qu'en fait, la presse, assez souvent, une fois qu'ils ont trouvé une tête de turc, ils ne la lâchent pas. Hein. Mais concernant les humoristes, quand est-ce que vous trouvez qu'ils vont trop loin? Lorsque en fait ils dépassent certaines limites, la religion c'est assez délicat, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et puis tout ce qui est drame humain en fait, hein. On n'a pas à se moquer du crash d'un avion où on sait qu'il y a eu X morts en fait, hein. Je pense que déjà je vois pas dans quel sens ça peut être drôle pour les autres et déjà pour la famille des victimes en fait. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez des moqueries sur le physique de certains hommes politiques? Ou physique ou bien tic? C'est un petit peu moins sérieux. Déjà, pour prendre comme exemple le président de la République, sa petite taille, je pense que ça fait rire tout le monde sauf lui.
Donc après, tant que ce n'est pas un handicap, un tic ou un trait physique, ça me pose pas de problème. Tant que c'est pas un handicap et où ça peut blesser, blesser l'autre en fait. J'ai été élu en trafiquant le vote électronique. Avant, j'ai pas élu. Ça, on a pensé de ces comiques-là qui ont moché Koyo, ces hommes politiques-là. Bah, bon, ben, qui là. C'est un manier, il y a eu les boucles, il y a eu exprimé Koyo aussi. Et puis en plus, il y a fait les messages passés pour les gens qui ne peuvent pas suivre les infos, à tout le aussi, ouais. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que vous avez allé trop loin? Faut voir, ça dépend de la façon de penser des gens, quoi. Bon, rebond. Et ça n'a pas fait la peine par ces noms politiques-là? Non, pas spécialement, c'est Bukta Zagin, c'est Zagin la vie, ça fait, mais c'est pas même arrêté quand il y a ça. Au côté, il n'y a pas les dix, puis il n'y a pas les dix, puis ça bon, c'est qu'on les guignol de l'info. Des bons ça là, au côté, on connu. Ouais, on peut dire ça, vous, mais ah oui.